Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Griffon Blue. Et merci à tous d'être tous nombreux sur la chaîne. Encore une fois, vous êtes encore de nouveaux abonnés. Nous sommes 424 voire 425, je sais pas, mais je crois que j'ai vu 423 ou 424. Merci à tous d'être abonnés à ma chaîne depuis ce temps, même si c'est pas facile. Et niveau des événements, j'en fais pas des masses en ce moment. Là, je suis actuellement à la convention de la Japan Anonyme, Japan Anonyme, oui, Anime, c'est qu'à le dire. Et je vais vous présenter un peu tout l'ensemble de la convention, de ce qu'il y a, les stands, etc. Je vais vous faire le tour. Je ne porte pas Shadow, mon griffon noir, comme j'évite par rapport au Covid, hein, vous savez. Donc les prochaines vidéos, je vous les expliquerai dans une Fur News dès que je pourrai. Et prochainement, j'emploierai les prochaines vidéos. Après celle-là, c'est une vidéo des photos que j'aurais prises. Mais bon, je crains que le niveau photo, c'est pas encore le cas. Donc, il y aura que celle-là pour la Japan Anonyme. Et prochaine vidéo, pour le mois d'octobre, il y a peut-être deux vidéos. Exceptionnellement peut-être deux seules vidéos et dans une Fur News je vous expliquerai un peu mes projets pour la chaîne YouTube. En tout cas, merci à tous de me soutenir toujours et de rester présent sur la chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas quand même si vous le souhaitez à venir vous abonner et me soutenir en étant encore nombreux. Ça fait toujours plaisir de vous voir nombreux. Et voilà. Bon, écoutez, moi je vous dis bonne vidéo et n'hésitez pas, hein, pouce bleu, etc. Bon, j'évite de rappeler toujours la même. Et à la prochaine. Ciao. Donc comme vous savez, nous sommes à Japan Anonyme. Nous sommes la convention se fait dans un Hara, donc un centre équestre. Hein. Là vous avez les stands de nourriture. Donc le stand là-bas, il est tellement bon, j'y étais mangé. Et franchement, ce food truck typique japonais et vachement bon. Les stands, de toute façon, ils sont tous bons. Pas faire de jaloux. Ah. Bon, on continue. Bon, vous voyez là. Yay. Salut. Nickel. On est vraiment dans un super environnement. Le centre équestre. Et vous avez vraiment un environnement magnifique. Coucou! Et... alors, tu veux nous faire casser les oreilles, c'est par là-bas. On s'avance un peu. Bon, le chapiteau là, on dirait un stand pour danser où il y a de la musique, je sais pas ce qui se passe. Mais moi, c'est le gros bâtiment que je vais vous diriger. Bon, la pelouse me fait quand même bouger la caméra. Même si j'ai une perche qui stabilise de base. Ah.
vous avez vu, c'était un stand de Just Dance. Là, on rentre dans le bâtiment. Bonjour. Bonjour. Et là, c'est un stand. Ici, on a dit un mini. Merci. Un stand de boissons. Ah, les patounes. Plusieurs stands, mais je peux pas trop filmer ce qu'il y a dessus. L'enfant, en fait, prend plaisir à lire. Et puis, voilà, ils ont fait des petits chapitres volontairement. Il n'y a pas beaucoup de situations. Oui. C'est pour développer l'imaginaire des enfants. Et ouais les amis, regardez ce stand qui est super avec les dragons. Vous pouvez retrouver plusieurs articles. C'est dédié au univers fantastique, c'est ça? Ok. Et ben vous pourrez retrouver tout sur l'adresse internet. Voilà. Bon, on continue la route. Et voilà les amis, on continue. On va monter les escaliers. Ah, on monte les escaliers. Bonjour. Hey.
Et voilà une super artiste que je connais. Salut! Là, si vous voulez voir cette artiste, elle est géniale. Ah, on voit pas bien. Voilà. Et là, on se dirige vers la sortie. Ah, de la fabrication. Je sais pas ce que c'est. Attends, regarde. C'est quoi ça? Ok, on va sortir. Alors, on m'a dit qu'il y avait un lac ici. J'ai pas encore vu le lac, mais on va se diriger. Oui, la Japanonyme est près d'un lac. Donc, on va aller voir. Je vais me diriger, voir si je le trouve. Je sais pas si le micro il fonctionne. Je l'ai encore. On se dirige vers le lac. Il y a plein de cosplayers. Salut. Et voilà. Ah, je vais être derrière la photo. Et voilà le petit lac de la Japan Anonyme. Et c'est un super endroit. En fait, c'est super génial. On continue à faire le tour. Et deux petits chalets. On s'éloigne un peu de... On s'éloigne un peu de la convention. Et c'est vraiment un très beau hara. Hein. Moi, je vous le dis. Un très beau centre équestre où la convention se tourne. Ah. La pelte, ce qui jute là.
Ah, non, c'est pas une pelleteuse. Je sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref. Pas grave. Là, si vous voulez faire du bateau, il n'y a pas grand chose. Et voilà. Moi, la vidéo est terminée. Je reviens vers vous. Bon voilà les amis, vous avez vu un peu ce qu'il y a à la Japanonyme au niveau du centre équestre, le Hara. C'est vraiment top de leur part d'avoir accepté que cette convention se fasse par rapport au Covid qu'il y a et d'avoir eu un système de circulation, porter le masque. Même moi, j'ai pas pris le risque de prendre Shadow, hein, mon griffon que vous voyez sur d'autres vidéos de convention. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes encore sur cette vidéo à cette fin, comme je vous ai dit, je ferai une vidéo Fur News pour vous dire les prochaines étapes de la chaîne. Mais vous inquiétez pas, restez quand même à me soutenir. Je ne vais pas arrêter la chaîne. Vous êtes nombreux et vous me motivez pour continuer. Que ce soit au niveau des conventions, des fêtes foraines. Ainsi, plus tard, je ferai sur les jeux vidéo. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets. Je vous ai déjà parlé en début d'année. Des vidéos sur les jeux vidéo mobiles, sauf que j'ai eu du mal, je sais pas comment me débrouiller, oui, malheureusement. Plus tard, quand vous serez vraiment nombreux, eh ben peut-être que je m'investirai et je prendrai un PC pour faire des vidéos gaming sur PC. Voilà. Donc voilà. Mais j'attends quand même qu'on soit vraiment nombreux. Bon, je vous laisse et passez une bonne soirée, une bonne journée. À quel moment vous regarderez cette vidéo. Ciao !